je voulais vous montrer un peu ma commande Essential Rewards de ce mois-ci avec Young Living. Et pour donner des idées à tout le monde en fait, parce qu'on me demande souvent ce que je commande tous les mois. Essential Rewards, c'est une commande mensuelle qui est super douce pour tous les budgets en fait, parce que le minimum c'est 50 points, c'est environ 50 euros. Et quand on change les produits de sa maison qui sont chimiques, avec des produits toxiques, etc. et qu'on va vers une maison plus verte et avec des huiles essentielles et des produits pour soi, soins pour le corps, etc. qui sont complètement clean, sans produits chimiques, sans rien toxique, mais aussi avec des huiles essentielles de grade thérapeutique qui sont... d'une compagnie qui garantit l'origine avec une transparence et une intégrité qu'on trouve nulle part ailleurs. Ça vaut vraiment le coup. Et on sent la différence au niveau de son bien-être et la santé. Et surtout en hiver, c'est là où je m'en rends le plus compte parce que on va plus voir le docteur en fait et on n'a pas des virus qui traînent pendant des semaines. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu ce que j'ai commandé au mois de décembre. Et les promotions que vous avez en Europe pour vos différentes commandes. Chaque pays a des produits un peu différents et chaque pays va avoir des promotions différentes chaque mois. Donc d'abord, je vais montrer les huiles essentielles que j'ai commandées. C'est des classiques dont j'ai eu besoin presque tous les mois en fait. D'abord, la lavande. La lavande, c'est le couteau suisse de toutes les huiles essentielles. Elle est super pour n'importe quel problème de peau. J'aime bien la diffuser le soir pour calmer les nerfs, mettre quelques gouttes dans l'eau du bain des enfants, une ou deux gouttes avec une poignée de sel de bain. Hop, une goutte ou deux de lavande et voilà, ça les aide à se détendre. Ça détend le système nerveux en fait. Mais si on en met trop, ça peut exciter le système nerveux, donc il faut en mettre vraiment juste une ou deux gouttes. J'en mets dans ma crème de jour et dans mon sérum pour le visage parce qu'elle aide à réduire les petites imperfections qui peuvent apparaître. Et j'aime bien la mettre aussi sur les piqûres d'insectes ou si jamais je me brûle en faisant la cuisine au four, parce que je fais toujours 150 000 choses en même temps, donc je me brûle souvent. Il faut tout de suite mettre sous l'eau froide, bien sûr, 5 minutes. 10 minutes c'est mieux et puis ensuite j'applique de la lavande pure, une goutte, et non seulement ça prend soin de la douleur, donc j'ai plus mal de façon instantanée, mais en plus elle aide à régénérer les cellules de la peau pour pouvoir guérir plus vite et pas avoir cette rougeur et cette inflammation pendant super longtemps. Donc voilà, la lavande c'est juste indispensable pour moi. J'aime bien la diffuser avec orange le soir, c'est hyper calmant. J'ai commandé orange, mais orange, vous pouvez la recevoir gratuitement ce mois-ci en Europe. Je ne sais plus pour quel montant, mais Young Living l'ajoute automatiquement à votre commande, en fait, dès que vous arrivez à un certain niveau de PV, donc de points. Il y a 120, 190, 250 et 350, il me semble. Et à chaque étape, Young Living va vous rajouter d'autres produits gratuits. Et orange, c'est l'un d'eux, il me semble que c'est à 190, je ne suis pas sûre. Mais orange, j'aime bien diffuser parce que c'est hyper calmant. Pour le soir, ça aide à dormir. On peut l'appliquer sur l'abdomen pour soulager des maux digestifs. Charlotte, elle a testé positif pour ça chez son chiropracteur qui fait aussi de la kinésiologie, donc qui étudie les organes en fait par leur vibration, il me semble. Enfin bon, c'est un truc hyper scientifique, compliqué, machin. Et du coup, elle est testée positive pour orange et elle doit en prendre deux gouttes le soir dans une gélule. Et donc voilà, ça aide son appareil digestif. Tout ce qui est agrumes, c'est bon pour l'appareil digestif parce que ça aide à purifier. Et c'est aussi des mange-graisses qui font fondre tout ce qui est lipides. Donc c'est hyper intéressant. Orange, on peut se faire un gommage avec du sucre et de l'huile de coco, par exemple. Et voilà. Pas besoin d'en dire plus, un gommage c'est hyper, c'est toujours utile à tout moment de l'année. J'ai aussi commandé Christmas Spirit, alors ça c'est un mélange de cannelle, orange et spruce, qui est un arbre un peu comme un pin qui pousse dans le nord, celui-là au nord, tout au nord du Canada, et c'est un blend qui me rappelle mes Noëls d'enfance en fait.
Et il est juste super. Donc celui-là, j'adore le diffuser, mais j'aime bien aussi en mettre une ou deux gouttes dans un chocolat chaud ou dans un thé, parce que orange et cannelle, c'est juste délicieux ensemble. Donc voilà, et c'est aussi un super cadeau à offrir. Donc par exemple pour les maîtresses ou les collègues, prendre un mug et mettre un petit sachet de poudre de cacao par exemple, mettre Christmas Spirit dedans et puis une jolie carte, et voilà, ça fait un joli petit cadeau de Noël. Et dans les petits flacons comme ça, il y a 100 gouttes, entre 85 et 100 gouttes. Donc on dirait pas, mais 5 ml, c'est quand même beaucoup de gouttes. Et du coup, les grands flacons de 15, il y a environ 300 gouttes, un peu moins de 300 gouttes dedans. Donc ça dure super longtemps. J'ai commandé Thieves parce que ben voilà, c'est l'hiver. Et puis Thieves, de toute façon, on en a besoin toute l'année chez nous. Thieves, c'est un mélange de 5 huiles essentielles. Il y a cannelle, eucalyptus radié, citron, girofle et romarin. Et ces huiles essentielles là, elles vont fonctionner en synergie. Désolée, je regarde de ce côté là parce que là j'arrive pas à regarder le petit trou là de la caméra, donc vous avez l'impression que je regarde sur le côté. Mais ces huiles essentielles là, elles vont fonctionner en synergie et se compléter les unes les autres pour avoir un effet hyper puissant en fait contre bactéries, virus, champignons, donc antifongiques et parasites. Donc c'est cette huile essentielle là que j'aime mettre dans mon thé dès que j'ai un mal de gorge, ou d'ailleurs je mets directement une goutte sur la langue. C'est hyper épicé, je vous préviens, c'est hyper épicé, mais ça fonctionne, c'est radical. J'aime bien aussi faire un roll-on que j'ai toujours avec moi, avec Thieves et Origan, d'ailleurs que j'ai recommandé de l'origan, il me semble, oui voilà. Thieves, Origan et je mets de l'orange dedans. Ces trois là ensemble, c'est mon roll-on bien-être. Et je mets un total de 30 gouttes pour un adulte. Et puis je complète par une huile qui est fractionnée, une huile porteuse fractionnée. Ça peut être de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, amande douce ou V6. Young Living a son propre blend, son propre mélange d'huile porteuse et qui est non grasse. Donc ça, c'est hyper agréable. Et j'applique sous les pieds et le long de la colonne vertébrale parce qu'il y a toutes les terminaisons nerveuses qui vont réussir à atteindre tous les organes du corps. Et puis juste, ça fonctionne. Voilà. Simon, il avait... Il est resté à l'école aujourd'hui parce que hier il avait une fièvre. L'après-midi, il a commencé à dormir et il ne dort pas du tout l'après-midi normalement. Donc je me suis dit, c'est bizarre, il est quand même crevé peut-être de sa semaine à l'école. Et puis je lui touche le front, il est chaud, je prends sa température, il a 39. Pas d'autres symptômes, juste hyper crevé, il dort et il ne veut rien manger. Et donc du coup, je lui ai sauté dessus avec mon roll-on Thieves, Origan et Orange. Pour lui, il n'y a pas 30 gouttes dedans, il y a 20 gouttes. Et sous les pieds, le long de la colonne et sur le sternum aussi ici pour qu'il puisse respirer ses huiles essentielles. Et puis je lui ai donné aussi, qu'est-ce que je lui ai donné, du Ningxia, un petit shot de Ningxia l'après-midi. Et puis ce matin pareil, Ningxia, et il est resté à la maison avec Brett. Il a continué Thieves, donc le roll-on toutes les deux heures. Et il a diffusé ce mélange-là aussi, Origan, Thieves et Orange. Et puis il était super toute la journée et demain il peut retourner à l'école, il n'a pas de fièvre, c'est parti. Donc voilà, c'est juste ces huiles essentielles-là, ça nous aide à rester au-dessus de la ligne de maladie en fait. Si on tombe en dessous, on a des virus qui traînent pendant des semaines et des semaines et ça fait des complications. Et c'est pas super intelligent de toujours être en mode urgence, en mode réparation, alors qu'on peut très bien prévenir ces choses-là de façon hyper simple, juste avec quelques habitudes. De tous les jours, c'est comme se brosser les dents, enfin c'est pas, ça rajoute pas du temps en fait. Voilà, donc je commande Thieves, c'est obligé, j'en ai tous les mois chez moi, tous les jours, je serai jamais sans Thieves, ça m'est arrivé une fois au début quand je venais juste de commencer et plus jamais, voilà. Origan, pareil, c'est une huile essentielle qui a un super large spectre, pareil, contre bactéries, virus, parasites et champignons. Il y a 5 huiles essentielles en fait qui sont hyper puissantes comme ça. Il y a origan, girofle, cannelle, sarriette des montagnes, mountain savory, et j'en ai mis toujours une, le thym. Donc c'est cinnamon bark, clove, mountain savory, oregano et thyme. Ces 5 huiles essentielles là. Et on n'a pas besoin de les mettre toutes les 5 ensemble parce que ça serait trop, ça serait overload pour le corps. C'est pour ça que dans Thieves, il n'y en a que 2. Et que Origan, quand je diffuse avec citron par exemple, ou avec Thieves, mais parce qu'il y a aussi d'autres huiles essentielles dedans, ou alors avec orange. Voilà. J'ai commandé du cyprès,
qui est super pour tout ce qui est respiratoire, mais aussi je vais commencer à m'en servir sur Simon parce qu'il a 3 ans et le matin ou la nuit, il vient nous voir parce qu'il est mouillé, il faut changer le pyjama, il faut changer les draps, etc. Et il supporte pas de mettre une couche parce qu'il se dit j'ai 3 ans, je suis grand, je veux pas de couche. Mais en même temps, j'ai pas envie de me réveiller tous les soirs à 2-3 heures du matin pour le changer. Et il est mouillé et Justin il dort encore dans notre chambre donc après il réveille. Enfin bon, c'est juste la bérésina. Moi, quand je vais au lit, je veux dormir jusqu'au matin sans être interrompue. Désolée si c'est un rêve de Disneyland, d'arc-en-ciel et de licorne. Mais je veux le monde magique où je dors toute la nuit. Donc voilà, ça va aller sur, par-dessus la zone de la vessie, le soir au coucher. Et voilà. Ensuite, Thieves, le spray Thieves, qui est super pour tout ce qui est mal de gorge, pchit dans la bouche. Hyper épicé encore, je vous aurais prévenu, mais hyper efficace. En fait, il est vendu dans la description pour désinfecter les petites surfaces. Je l'ai toujours dans mon sac à main parce que quand on va dans des endroits qui sont pas super bons, ou alors on va soi-même aux toilettes publiques et on veut pas, enfin, voilà, on veut pas non plus embaumer toute la zone, on sort le Thieves et on le pchit et ça sent Noël parce qu'il y a de la cannelle dedans et en même temps le citron et du coup c'est hyper frais. Et ce qui est bien avec les huiles essentielles, c'est que ça ne va pas couvrir les mauvaises odeurs, mais elles vont détruire les bactéries qui sont responsables de ces mauvaises odeurs. Parce que oui, elles sont contre ces micro-organismes qui sont hyper désagréables. Donc voilà, Thieves, ce pchit, super pratique, facile d'utilisation. Pchiter la barre du caddie. En hiver, je pchite plein de choses parce que les microbes, on les enfants tous dans leurs mains ou se mouchent et après ils ne savent pas les mains, après ils touchent les poignées de porte, etc. Juste ça, je suis psychopathe avec. Mais en attendant, on se porte bien. Un autre Christmas spirit pour offrir parce que ça fait des super cadeaux et c'est pas très cher, donc top. Et on peut aussi faire un spray d'ambiance avec ça. Il faut juste acheter des flacons spray qui sont soit en alu, soit en verre, donc pas en plastique. Pour, on va dire, 60 ml, je mets 10 gouttes de Christmas Spirit et un petit peu d'amamélis ou alors un peu de vodka pour aider à disperser les huiles essentielles dans l'eau. Et ensuite, on complète avec de l'eau et c'est un pchit qu'on peut mettre, on peut laisser dans la salle de bain. Pchit, pchit, pchit. Voilà. Ça sent trop bon. Ensuite, j'ai commandé, il y a des chocolats cette année, c'est des espèces de truffes. Je ne sais pas si elles sont en Europe, les chocolats. Mais ils sont délicieux. J'en avais ramené l'année dernière à Noël à ma famille en Belgique. Ils étaient tous fans, donc c'est pour dire. C'est pas du tout granuleux. C'est un chocolat qui est hyper lisse et hyper doux. Et les ingrédients. Alors, il y a du cacao de l'Équateur, du sucre de canne, de l'huile de noix de coco, du beurre de cacao et de la poudre de baie de goji. Et voilà, c'est tout. Rien d'autre. C'est pour ça que c'est trop bon. Qu'est-ce que j'ai commandé qui n'est pas huile essentielle? Le petit déj. Alors ça, c'est comme les céréales qui s'appellent extra. J'adorais ça quand j'étais en France. Mais c'est des petites graines comme ça qu'on peut mettre soit sur le yaourt, soit dans des compotes. Ou dans donc des céréales avec des flocons d'avoine et qu'on peut manger avec du lait le matin au petit déj. Juste trop bon. Et les ingrédients, pareil, hyper clean. Flocons d'avoine, huile de tournesol, jus de fruits, de la graine de petit épeautre, j'en parlerai plus tard, des graines de tournesol, du sucre de noix de coco, des airelles, des amandes, des baies de goji, des noix. Des noix de pécan, du cacao, de la vanille, du sel et de la cannelle. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a comme ingrédients. Et c'est juste délicieux et c'est pas du tout trop sucré. Moi, j'aime pas les céréales qui sont hyper sucrées. Et ça, pour le coup, c'est juste parfait. Pardon. Les céréales, non, ça, c'est comme des cornflakes. Mais c'est fait avec de la graine, c'est fait avec le petit épeautre. Et l'intérêt du petit épeautre, c'est que c'est pas un hybride, contrairement au blé. Mes enfants, ils sont intolérants au gluten. Charlotte et David, tous les deux, ils sont intolérants au gluten maintenant. Mais ils peuvent manger de la farine de petit épeautre parce que c'est une seule graine en fait.
Le problème avec le blé, c'est que je ne sais pas quand ça a commencé, mais les tiges de blé avant, elles étaient super longues. Et la tête du blé, elle était longue et fine. Ce qui rendait la récolte difficile, parce qu'il y avait plein de paille. Et la tête, il n'y avait pas beaucoup de rendement en fait. Il y avait beaucoup de l'enveloppe de la graine, mais pas assez de graines à l'intérieur. Donc du coup, le rendement n'était pas super. Du coup, ils ont croisé le blé avec un blé qui vient du Japon et un autre, je crois. Je ne sais pas si c'est un ou deux. Mais du coup, ça a donné des tiges super courtes, donc plus faciles à récolter. Et les graines plus grosses, du coup, à un meilleur rendement. Mais le problème, c'est que du coup, pour notre appareil digestif, c'est beaucoup trop d'informations. Il y a beaucoup trop de chromosomes. Et notre corps ne reconnaît pas. Il dit, mais c'est quoi? Il y a trop d'informations. On n'arrive pas à digérer et à filtrer. Et notre corps n'arrive pas à reconnaître. C'est beaucoup trop. Et donc, du coup, ça donne des ventres qui sont ballonnés. Ça donne... on a mal au ventre après avoir mangé des gâteaux ou du pain. Même si c'est bio. Parce que même les bio, il n'y a pas de pesticides. Mais c'est quand même un hybride. Et la graine de petite épeautre, c'est une seule graine. C'est la même depuis 5000 ans. Et beaucoup plus facile à digérer. Et je vais vous montrer. Donc Gary, quand il a commencé à faire pousser son petit épaule, j'ai marqué la page parce que... Enfin, j'espère que je vais la retrouver. Et voilà. C'est super haut. Voilà, ça, c'est le petit épaule que lui, il fait pousser. Et c'est aussi grand qu'un homme, en fait. Ça lui arrive presque aux épaules. Alors que le blé d'aujourd'hui, ça arrive à peine à la taille. Donc voilà. Ça aussi, c'est ce que j'aime bien avec Young Living, c'est la transparence et l'intégrité derrière tous les produits. Et la passion pour tout ça. Ok, donc ça ressemble vraiment à des complexes. En plus foncé en fait, en plus marron. Tibi. Et les ingrédients. Désolée de manger devant vous. La farine de petite épeautre entière, donc complète. Du sucre de coco. Bio, de l'avoine, du sel et de la vitamine E. Et voilà, c'est tout. Pas de merde dedans. Non merci. Du coup, mes enfants peuvent manger ça et ça me rend super heureuse. Ensuite, j'ai commandé un refill, donc pour remplir mes savons pour les mains, savon moussant, pour pas avoir à racheter et à jeter des contenants en plastique. Et puis ça du coup je le recycle et mes petits autres contenants en plastique j'ai pas besoin de les jeter, je remplis et j'aime bien ça. Young Living a un but avec en 2024, avant 2024, d'être une compagnie sans déchets. Donc j'adore ça, ils se tournent vraiment vers tout ce qui est vert. Enfin, ils ont toujours été, mais ensuite ça c'est un nouveau produit, je sais pas si en France. C'est quelque chose qu'on met dans la douche. Avant, je les faisais moi-même, mais maintenant, ils les font eux-mêmes. C'est comme des bombes pour le bain, mais sauf que c'est pour la douche. Et donc, du coup, ça reste aux pieds. Et avec l'eau qui tombe, l'eau chaude, ça dégage une vapeur qu'on peut respirer. Et c'est hyper énergisant. Et ça sent le tang presque. Hyper frais. Citrus Fresh. Ça s'appelle Shower Steamers. J'ai hâte d'essayer. Qu'est-ce que j'ai commandé encore? Ninja, parce que ben voilà. Ninja, c'est bourré d'antioxydants. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur les antioxydants et l'importance de se débarrasser des radicaux libres, qui sont des cellules instables à qui il manque un électron. Et donc du coup, ils sont en nombre impair, leurs électrons. Et du coup, ils vont aller chercher et voler des électrons à d'autres cellules et ils en font des radicaux libres. Quand les antioxydants arrivent dans le corps, donc on en fait nous-mêmes mais pas assez, quand les antioxydants arrivent, ils vont donner de leurs électrons pour pouvoir faire des radicaux libres, des cellules normales et stables. Mais eux, ils ne deviennent pas à leur tour des radicaux libres. C'est ça l'intérêt des antioxydants. Et Ninja, c'est du coup les conséquences pour la vue, pour la clarté mentale, pour la peau, pour l'appareil digestif sont juste incroyables. Parce qu'on se débarrasse de nos radicaux libres, en fait. C'est juste aussi simple que ça. Et il n'y a pas besoin, du coup, d'avoir de la caféine ou du sucre ou rien de tout ça dans Ninja. Ça fonctionne juste en aidant notre corps au niveau des cellules.
hyper intéressant. Ensuite, j'ai commande Nitro pour Brett. Ça, c'est exactement pareil que Ninja, mais c'est en petit flacon comme ça. Et la seule différence, c'est qu'il y a du thé vert dedans. C'est de la caféine qui vient du thé vert pour donner un boost d'énergie encore plus. Et Brett, il a trop besoin de ça parce qu'il compose jusque tard dans la nuit et il a besoin d'énergie et de clarté mentale parce que sinon, il ne peut pas composer. Sinon, il n'y a pas d'inspiration. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai commandé. Ce que vous recevez gratuitement en France, vous recevez Grapefruit, donc le pamplemousse, qui est hyper rafraîchissant, que j'adore diffuser avec une autre huile essentielle qui s'appelle Northern Lights Black Spruce, qui est un arbre qui pousse au nord du Canada, comme je vous parlais tout à l'heure, comme un sapin en fait, qui pousse au super au nord, là où il y a les aurores boréales. Et avec Grapefruit, c'est juste un super mélange. Ça sent trop super bon. Vous recevez Cinnamon Bark, ça c'est la cannelle. Donc ça c'est une des 5 huiles essentielles à large spectre d'action. Et qui est super bonne à diffuser avec orange. Trop bon. Et super dans les recettes aussi. Si vous faites un gâteau yaourt, juste mettez une ou deux gouttes de cannelle. Vous pouvez aussi mettre une ou deux gouttes dans votre filtre à café avant que la machine se fasse. Et du coup vous avez un café à la cannelle. Délicieux. Cette huile essentielle-là, c'est un mélange qui s'appelle Abundance, qui est à la base créé pour éradiquer les sentiments et l'impression qu'on a de ne pas avoir assez. Donc si vous dites souvent non, ou je peux pas, ou cette impression que vous n'avez pas assez, que vous allez manquer de sous, ou d'amis, ou de temps, c'est cette huile essentielle-là que vous appliquez sur les poignets et sur le cœur. Et ça modifie du coup les émotions à partir du système limbique qui est dans le cerveau. Et ça aide à attirer pour vous des sentiments de « j'ai assez, je suis là où je dois être, j'ai ce qu'il faut » et même plus l'abondance. Donc voilà. Et les huiles essentielles qu'il y a là-dedans sont aussi super bonnes pour l'appareil digestif. Et pour le système immunitaire. Donc, n'hésitez pas à diffuser et à mettre dans un roll-on aussi. Ensuite, vous recevez Sacred Frankincense. C'est un arbre qui est différent de Frankincense, de l'encens au Liban, mais qui a les mêmes vertus. Hyper bonne pour la peau, toutes les cellules de la peau. Donc, contre le vieillissement prématuré, les petites ridules qu'on peut avoir et qui protègent aussi nos cellules contre la reproduction à tort et à travers et qui peut poser du coup plein de problèmes. Donc ça nous protège de ça. Et frankincense, c'est hyper haut en monoterpène, en sesquiterpène qui apporte de l'oxygène aux cellules. Donc c'est super intéressant pour ça aussi. En diffusion, ça va aider à garder les pensées rassemblées, à ne pas être distraite et à être plus dans un mode de méditation et de concentration. Et c'est aussi bon pour l'appareil respiratoire et aussi contre le blues qu'on peut avoir en hiver parce qu'il y a moins de lumière dehors, etc. Donc on peut être plus déprimé. Et une autre que j'ai pas qui s'appelle Journey On, mais j'ai pris des notes parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Donc Journey On qui contient clove, donc girofle, origan, sarriette des montagnes et cannelle, 4 des 5 huiles essentielles les plus actives contre les micro-organismes qu'on ne veut pas avoir. En plus il y a frankincense, donc l'encens au Liban, rose qui est une huile essentielle qui est hyper chère, jasmin, tanaisie bleue et d'autres huiles essentielles. Donc du coup, quand je lis tous ces ingrédients, je me dis direct, c'est bon pour l'appareil immunitaire, c'est bon pour tout ce qui est émotionnel, et oui, pour tout ce qui est méditation, etc. Mais ça va aussi être super bon pour la peau. Il va falloir diluer parce que ces huiles essentielles-là, elles sont super fortes, mais vous pouvez très bien faire un roll-on avec Journey On et appliquer sur les poignets, sur le visage, etc. Du moment que c'est dilué. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous recevez gratuitement. Et moi, comme ça fait plus de 2 ans que je participe à Essential Rewards, je gagne 25% de ma commande en points. Ce mois-ci, ma commande c'était 400 PV, donc 400 points. Et du coup, Young Living me donne 100$, 100 points qui sont, c'est 1 point égale 1 euro ou 1 dollar
en retour. Et donc, du coup, avec ces sous-là qui sont sur mon compte Young Living, je fais une commande rapide. Et ce mois-ci, j'ai commandé des vitamines pour Brett. Et je sais qu'il n'y a pas, je crois pas qu'il y a les mêmes en France, mais il y a plein d'autres super bonnes vitamines. Qui s'appelle Master Formula. Et c'est des vitamines qui sont déjà toutes prêtes comme ça. Il y en a 4. Donc, c'est bien passé pour les gars qui ne veulent pas avoir 150 000 pilules à prendre. Et Brett, ça l'aide au niveau digestif et au niveau de son énergie, etc. Et j'ai commandé un savon parce que ça sent juste trop bon, les savons. En barre de Young Living, non seulement ils sentent bon, ils moussent bien et ils ne sèchent pas la peau. Ils ne la sèchent pas. Hyper agréable. Il y en a plein de différents. Donc voilà, ça c'est toutes mes commandes. Ah oui, et j'ai aussi commandé des petites étiquettes pour mettre sur mes huiles essentielles parce que quand je les mets dans... Je suis pas toujours en train de les regarder en face. Elles sont parfois juste sur le comptoir ou quoi. Et c'est pratique d'avoir un petit nom au-dessus. Par exemple là, Hihi, Sacred Frankincense. Comme ça, je sais directement ce que c'est. Ah oui, et je lui ai commandé ça aussi. Shoot Triand. Ça, c'est le gel douche qui est à diluer. Donc, à quantité égale, en fait. Donc, il y a 90 ml. Donc, je vais mettre dans un autre contenant. Je vais rajouter 90 ml d'eau chaude. Un petit peu de bicarbonate de soude pour que ça mousse. Et voilà, je double. Ma commande du mois de décembre. J'espère que vous avez appris des choses. Et voilà. Je sais que c'est une grosse commande. Tout ce qu'il faut pour participer à Essential Reward, c'est 50 PV par mois, donc 50 euros par mois. Et si... Donc ça, c'est à vous. Ça, ce serait pour 8 mois, par exemple. Mais moi, je fais ça par mois parce que comme je partage mes huiles essentielles et que j'ai des amis qui du coup commandent des kits ou se mettent aussi sur Essential Rewards parce qu'elles veulent débarrasser leur maison de tous les produits chimiques, Young Living m'envoie des commissions. Et si c'est trop pour votre budget de dépenser tout ça, vous pouvez aussi très bien faire des ateliers et partager vos huiles essentielles et aider vos amis à commencer. Je suis hyper reconnaissante à ma copine Katie qui m'a aidée à commencer il y a 3 ans et demi, qui avait acheté son kit et moi j'étais juste à quoi ça sert tes trucs, tes flacons ils sont minuscules, ça sert à rien. Le citron je peux très bien acheter au supermarché, la menthe aussi. Mais je suis hyper reconnaissante de sa patience avec moi et moi aussi j'ai cherché du coup parce que je me suis dit les huiles essentielles, tout le monde en parle, à quoi ça sert et je voulais avoir une opinion en fait. Donc voilà, je suis super reconnaissante. Là, j'ai une copine qui était malade la semaine dernière. Elle avait mal à la gorge. Elle a dû louper. Elle a dû prendre congé maladie. Je lui ai envoyé Thieves et Origan et un Roll-On. Et 2 jours plus tard, ça y est, elle était de nouveau sur pied. Donc, n'hésitez pas à partager parce qu'on rend service, en fait, aux autres. Et quand on a des amis, on ne les laisse pas dans la mouise, malades. Et on les aide à prévenir ces infections parce que c'est juste une manière plus intelligente de gérer l'hiver. Voilà, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à me poser des questions et à très bientôt. Ciao!